Septembre 1980, New York. C'est l'heure du spectacle à Flushing Meadow où deux hommes s'affrontent enfin dans la finale des internationaux de tennis des États-Unis, US Open. Venu de Suède, un viking fermement décidé à gagner le tournoi. Il s'appelle Bjorn Rune Borg. À son palmarès, 5 victoires consécutives à Wimbledon. Mais il n'a jamais conquis les États-Unis. Non, ce territoire appartient à un jeune garçon qui vit à quelques kilomètres seulement d'ici. John Patrick McEnroe Jr., le plus jeune tenant du titre américain depuis plusieurs décennies. Ce sont les deux meilleurs joueurs de tennis de leur temps. Deux des plus grandes machines à faire de l'argent que le sport professionnel ait connu. Pour Borg et McEnroe, le tennis, c'est la guerre. La France, passionnée par le conflit, restera éveillée jusqu'au plus fort de la nuit pour suivre le match en direct. John McEnroe est tout simplement en train de porter le tennis à de nouveaux sommets. Pourri de talent, stimulé par la conquête, il va au-delà de ses peurs. Il y a des gens comme cela dans la vie, dans la politique, dans le show business, dans les affaires, dans le sport. Des Mohamed Ali, des Brando, des Baryshnikov, des Mick Jagger. C'est un magicien, une bête de spectacle, un enfant de la balle, pourrait-on dire. Mais surtout, avant tout, dès qu'il est sur un court, c'est un battant sans pareil. John McEnroe, à peine 21 ans, est déjà la légende. Printemps 1978, l'université de Stanford près de San Francisco. Stacy Margolin, championne universitaire, est venue s'entraîner en compagnie de John. Leur passion l'un pour l'autre est née, dit-on, de leur passion commune, le tennis. Présent également, Barry McKay, promoteur du tournoi de San Francisco, ancien joueur de Coupe Davis. Il vient fréquemment faire un tour sur le campus de Stanford. McEnroe, encore amateur, pourrait être une recrue de choix pour les tournois professionnels. McKay est aussi en bon terme avec Stacy. Depuis combien de temps je le connais? Oh, environ 4 ans. Donc maintenant, vous n'êtes plus seulement des amis de rencontre, enfin, j'imagine. Parlez-moi un peu de vos réactions quand vous suivez ces matchs, par exemple, pendant notre tournoi. Est-ce difficile? Est-ce que vous êtes nerveuse? C'est surtout que je n'aime pas qu'il se mette en colère contre lui-même ou contre les juges de ligne et les arbitres, parce qu'il joue tellement mieux quand il garde son sang-froid. J'ai entendu dire que lorsqu'il était petit, dans les minimes ou les cadets, il avait vraiment un caractère de chien. Maintenant, il s'est amélioré. C'est l'heure pour John McEnroe de faire ses armes contre ses pairs étudiants. Tels ceux de l'Université de Californie à Los Angeles, la fameuse UCLA, qui a produit entre autres Jimmy Connors en 1971, Arthur Ashe en 1965, Allen Fox en 1961. L'université de Stanford, elle, ne s'est hissée au premier plan que dans la dernière décennie. Mais elle a produit Roscoe Tanner et les frères Meyer, Sandy et Jen. L'université est le creuset des champions américains. Un haut-parleur fait à une foule de 1500 personnes la présentation des deux meilleures équipes universitaires américaines. Chacun des joueurs est déjà une vedette au palmarès prestigieux. Car pour être recruté parmi les grandes équipes, il faut avoir fait ses preuves très tôt. Toutes les attentions se portent pourtant sur un joueur au visage à la fois poupin et angélique, dont il est impossible d'ignorer le nom, John McEnroe, déjà numéro 10 dans la hiérarchie américaine et junior mondial numéro 1. Son adversaire, Elliot Telcher, est le junior mondial numéro 3. Ils n'en sont pas à leur première bataille. Ils s'affrontent depuis l'âge de 12 ans. Ils en ont aujourd'hui 18. Accompagné de sa mère Anita, Stacy Margolin est venue en voisine. Son campus USC est à l'autre bout de la ville.
Lorsque Stanford se déplace à Los Angeles pour y affronter UCLA, tout ce que la ville compte de connaisseurs est au rendez-vous. Et voici le match vedette. Telcher contre McEnroe. Leur rivalité qui remonte au temps de leurs culottes courtes n'a jamais été aussi intense qu'en ces jours de mars 1978. Un simple match universitaire, mais où s'affrontent deux joueurs qui sont déjà des classes mondiales. Telcher gagne le premier set avec autorité, ce qui paraît de bien mauvais augure pour le coach de Stanford, Dick Gould. Qui est le numéro 1? C'est une question perpétuellement débattue en sport. Et ce match va décider qui sera classé numéro 1 individuellement à l'approche du grand tournoi qui réunira les meilleures universités pour le titre en mai. Tout le monde sait que Stanford et UCLA en seront. Mais aujourd'hui, c'est le prestige qui est en jeu. Telcher qui a gagné le premier set mène maintenant par 5 jeux à 3 dans le deuxième. Et soudain, c'est une balle de match contre McEnroe. C'est la minute de vérité. La tension a monté dans les gradins, ainsi qu'autour du court pour les entraîneurs. Un point sépare Elliot Telcher de la performance. Abattre le super favori. D'un revers désespéré, McEnroe sauve le match et lui enlève littéralement le pain de la bouche. Le campus sera pour John McEnroe l'apprentissage d'une spécialité qui le rendra bientôt célèbre. Sauver les balles de match, ou les points qu'il faut à tout prix ne pas perdre. Qui sait où il a pris vraiment cet art de tromper la défaite? Mais pendant sa seule et unique année d'université, il le perfectionnera et le seul diplôme qu'il y décrochera en fera un digne licencié en tennis. Telcher, ce jour-là, aurait aussi l'occasion d'apprendre une leçon. Il avait eu sa chance. Il avait blessé sa proie, l'avait acculé dans un recoin, et il n'avait pas su l'achever. Dans ce duel au cordeau qu'est le tennis, on n'a droit qu'à une seule chance bien souvent pour gagner. Et si l'on rate son coup, on devient à son tour la cible. Il faut apprendre vite si l'on veut devenir champion. Que la victoire ou la défaite sur un court de tennis, ce n'est guère différent de la survie dans la jungle. Et c'est ainsi qu'Eliot Telcher, qui a eu le match au bout de sa raquette, s'est retrouvé le dos au mur. Les matchs de classement seront bientôt terminés. On va maintenant se préparer pour le grand événement de mai qui rassemblera les 16 meilleures universités pour un tournoi unique au monde. Le championnat national universitaire. Mais John McEnroe, quant à lui, mène une double vie. Sur le campus, il est la vedette incontestée, mais sur le circuit professionnel où il fait ses premiers pas, il est junior, le gamin, l'amateur, une sorte de curiosité. C'est presque ainsi que le présente l'annonceur lors d'un tournoi dans la capitale américaine, Washington, le Volvo Classic, où il se retrouve en finale du double après avoir été jusqu'en quart de finale du simple. L'annonceur explique au public que ce jeune inconnu cherchait un partenaire au début du tournoi et que Arthur Ashe, séduit par ce jeune talent, a décidé de faire équipe avec lui. Ils affrontent la redoutable équipe de Bob Lutz et Stan Smith, qui se maintient au sommet de la hiérarchie mondiale du double depuis bientôt 10 ans. Ladies and gentlemen, the nation's newest dynamic duo of tennis, Arthur Ashe and John McEnroe. Ashe et McEnroe gagneront le premier set et passeront très près de la victoire dans le second. Finalement, l'affaire se réglera dans la bonne humeur en 3 sets. Oh!
Après le match, Bud Collins, commentateur de tennis, vedette de la télévision américaine, tirera les conclusions en compagnie d'Arthur Ashe. Arthur, une finale intéressante par bien des aspects. Vous avez 34 ans, McEnroe est de 15 ans votre cadet. Vous n'avez jamais joué ensemble avant ce tournoi. Qu'est-ce que vous pensez de ce gamin? Je crois qu'il est sans doute plus doué qu'il ne le pense lui-même. Mais je crois aussi que lorsqu'il quittera Stanford pour passer professionnel, il aura peut-être des surprises. C'est un pas toujours très dur à franchir. En ce qui me concerne, jouer avec lui a été une expérience intéressante. Comme vous dites, on a presque gagné. J'ai cru noter chez vous à plusieurs reprises une certaine crispation quand il s'en est pris au juge de ligne. Il n'y a pas de doute que chaque fois qu'il se met dans tous ses états pour un point perdu, ça se répercute sur les points suivants. C'est ce qui s'est passé plusieurs fois pendant le match. Je me suis contrôlé pour ne pas lui laisser voir mon irritation, mais je pense qu'à la longue, quelqu'un, peut-être moi, devra lui expliquer que dans son intérêt, il faut accepter les erreurs d'arbitrage dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que vous vous êtes senti un peu paternel avec lui? Oui, un peu paternaliste, c'est le mot, oui. J'aurais jamais pensé que tu puisses l'avoir, ce dernier point. Ce lob juste avant, c'était bien joué, très bien contrôlé. Tu peux recommencer si tu veux. Tu la tires au filet avec une amortie et hop, tu lobes. Les temps ont bien changé, Arthur. Quand vous étiez à l'université, il n'était pas question d'abandonner les études. Le tennis professionnel n'existait pas comme on le connaît aujourd'hui. Vous pensez que ce gamin devrait finir ses études? Non, il a trop de talent. S'il veut être le meilleur joueur du monde, il faut qu'il quitte maintenant. Je crois que c'est ce qu'il a en tête. J'espère que tu pourras jouer à San Francisco. J'y serai, je peux vous le garantir. Ce qui serait encore mieux, c'est que tu joues le double avec Arthur. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'Arthur est déçu. Mais non, au contraire, c'est un excellent début. Laissez-moi vous parler de Barry un moment. Avant que vous ne soyez né, 2 ans avant que vous ne soyez né, en 1957, il a remporté le championnat universitaire pour l'Université du Michigan. Et quand vous aviez 6 ans, Arthur a remporté le titre pour UCLA. C'est intéressant, n'est-ce pas, Barry, de voir ces deux jouer ensemble? Oui, vous avez raison. Je pense qu'ils forment une bonne équipe. Et au moins 2 bonnes occasions de battre Schmidt et Lutz dans le deuxième set. 2 jeux de 0 à 40. Il aurait suffi que l'un d'eux prenne ce point. J'ai raté trop d'occasions. Je ne peux pas vraiment lui souhaiter de gagner le championnat universitaire parce qu'il n'a pas été à UCLA. Parce qu'il est à Stanford? Je n'aime pas les gars de Stanford. Vous avez la rancune tenace. Absolument. Quelle équipe. McKay, McEnroe, Ashe, 2 anciens champions et un jeune qui va peut-être suivre leurs traces. Qui sait? Qui sait? Athènes, au cœur de la Géorgie, est une ville universitaire classique. C'est là que se tiennent chaque année, en mai, pendant 8 jours, les championnats de tennis universitaires américains. Une élite de 96 joueurs représentant 16 universités, sélectionnés parmi les milliers de champions en herbe qui pratiquent le tennis universitaire, s'y rend pour décider qui va être leur champion. Peu connu hors des États-Unis, c'est pourtant le plus important des tournois amateurs encore existants. Il remonte à 1883, lorsque le jeu de tennis était l'apanage de la jeunesse aisée des universités de la côte Est. Yale, Harvard, Princeton. La ruée vers l'ouest devait balayer cette tradition. La Californie, voire le Texas, sont aujourd'hui les bastions du tennis américain. En cette année 1978, Stanford, tenant du titre, est le favori. Quant aux joueurs eux-mêmes, il est un nom qui est sur toutes les lèvres. Tête de série numéro 1, déjà sur la sellette pour ses exploits précoces chez les professionnels, John McEnroe. Ah, on se le montre du doigt. C'est le loup blanc, la bête à abattre. Pensez donc, il fut l'été dernier le plus jeune demi-finaliste de l'histoire de Wimbledon. Une raison de plus d'avoir son scalp. À Athènes, tout le monde est à la même enseigne. Wimbledon, c'est bien loin d'ici, Johnny McEnroe. C'est quelque part en Angleterre où l'herbe est si verte. Ici, sur le ciment brûlant de Géorgie, dans une atmosphère humide et étouffante, c'est une toute autre histoire. En quart de finale contre Eric Iskersky de l'université de Trinity à San Antonio, Texas, c'est une âpre bataille qui se prolonge en 3-7.
Et en cours de route, McEnroe doit affronter le chauvinisme local qui fait chorus sans vergogne pour le petit gars du Texas. Le juge-arbitre vient d'adresser un avertissement à un couple de spectateurs acariâtres qui s'en prenaient à voix haute à McEnroe pendant les échanges de balles. McEnroe, explique-t-il avec rage, a eu des mots grossiers. Le juge-arbitre les menace d'expulsion s'ils ne se calment pas. Mais ils répliquent qu'ils ont payé leur ticket et qu'au lieu de s'en prendre à eux, l'arbitre ferait mieux de faire taire ce voyou de McEnroe. Un McEnroe qui, nullement gêné, vient les narguer en proclamant qu'à son avis, ils ne valent vraiment pas tant d'attention. L'affaire en reste là. Et McEnroe, redoublant de concentration, enlève à l'arraché une étape de plus vers la finale. Spéculant sur qui pourrait encore lui faire obstacle dans le champ rétréci de ses adversaires, on commence à s'intéresser de près à un mystérieux cow-boy. Un cow-boy qui non seulement ne vient pas du Texas, mais ressemble plutôt à un Marine lorsqu'il retire son invraisemblable couvre-chef. Il s'agit de John Sadri, venu de Charlotte, en Caroline du Nord. Il est l'unique représentant de son collège, North Carolina State. À l'approche de son match de quart de finale, il se prend lui-même à rêver. Et s'il allait être celui qui abattrait McEnroe? Pour en arriver là, il lui faut d'abord franchir un obstacle de taille. Il affronte l'autre favori, la tête de série numéro 2, Elliot Telcher, qui lui ne rêve que de revanche. Pour lui aussi, ce sera l'unique chance de remporter ce prestigieux tournoi. Après, ce sera l'aventure du professionnalisme. Tout le monde attend une finale entre les deux premières têtes de série. Mais dans ce match, Sadri révélera une arme de choc. Un service canon qui réduira littéralement en poussière les espoirs de Telcher et ceux de UCLA. La vie universitaire s'achèvera là pour Elliot Telcher. Comme tant d'autres, il avait rêvé d'entrer chez les pros par la grande porte. Quant à Sadri, on commence à se dire que si ses raquettes étaient des pistolets, la peau de McEnroe ne vaudrait pas cher. Un frisson se répand autour des cours. Pour les pronostiqueurs avisés, il n'y a plus de doute. Athènes va avoir son duel au soleil. Mais quittons un moment l'odeur de la poudre et le bruit des balles pour nous pencher sur une conversation que tiennent sur les choses du tournoi Alan Fox. Ancien vainqueur du tournoi lorsqu'il était numéro 1 à UCLA et maintenant devenu entraîneur de l'université Pepperdine à Malibu, en Californie. Et Dan McGill, doyen des entraîneurs et de l'université de Géorgie, ainsi que le directeur du tournoi. Pour lui, l'année 1978 ferait date dans les annales de la compétition. Jusqu'alors, et on ne s'en était rendu compte que plus tard, 1972 avait fourni le meilleur cru avec Roscoe Tanner, Eddie Deep, Sandy Meyer, Raoul Ramirez, les frères Gullickson et enfin Dick Stockton qui avait battu Brian Gottfried en finale. Une belle brochette d'étudiants en vérité. Mais cette année c'était encore meilleur avec John McEnroe menant la troupe. McEnroe justement, parlons-en, suggère Alan Fox. Car il semble perturber le bon ordre des choses. Eh bien non, réplique Dan McGill, qui est pourtant un solide défenseur de l'esprit et des règles du tennis. John, selon lui, est avant tout un incompris au tempérament de feu. Un super athlète doué d'un esprit de compétition féroce. Et il aime ça, lui, Dan McGill. Ce que l'on accepte, sans autre forme de procès, pour la boxe, le hockey sur glace, le football ou bien le basketball, dit-il, se manifeste simplement de façon plus subtile pour le tennis. Le sport est devenu trop compétitif aujourd'hui pour qu'on ne doive se résoudre à faire des concessions quant à son étiquette. Avec le recul du temps, les problèmes d'humeur de McEnroe apparaîtront vite comme dérisoires. Théorie qui sied sans doute à l'époque, mais que les juristes continueront de déplorer. Ah, quel dommage que l'on ne puisse pratiquer la guerre psychologique et les bonnes manières tout à la fois sur un court de tennis. John McEnroe, quant à lui, a fait son choix depuis longtemps. They like to get involved, and they are getting involved in the tennis and
and there's nothing we can do about it. Mais revenons au tournoi, car voici la première demi-finale. Nous y retrouvons John Sadri et son Stetson porte-bonheur. Il affronte un Sud-Africain qui joue pour Pepperdine, Eddie Edwards. Ce dernier vendra chèrement sa peau malgré une avalanche d'aces qui s'abattront sur son cours comme une mauvaise grêle. Il arrachera un set à Sadri, mais ce sera tout. Je ne sais pas si je les intimide, déclare Sadri après le match, mais je sais que je joue bien. Aujourd'hui, contre Edwards, j'ai passé 16 aces. Je suis prêt pour la finale, je ne me suis jamais senti aussi fort. Alan Fox lui demande alors pourquoi, lorsqu'il a un match facile au filet, il matraque la balle avec autant de férocité. Réponse de Sadri, je frappe la balle aussi dur que je peux pour me libérer de ma rage. Dans l'autre demi-finale, John McEnroe affronte son coéquipier et partenaire de doubles de Stanford, Bill Mez. Là encore, sa rage de vaincre l'emportera sur ses meilleurs sentiments. Il faut gagner d'abord, les amis, ensuite. Voilà, les jeux sont faits pour la finale. Les rancœurs s'effaceront vite et de ces combats pêle-mêle, il restera surtout pour tous ces champions en herbe une forte nostalgie de ce qui fut peut-être la dernière étape de leur jeunesse. We've learned to help each other. I am not afraid to try most anything. As long as we're together, each new day can only be fun. Quand j'avais 12 ou 13 ans, Rod Laver était mon idole. Et maintenant, à votre tour, comment vous y prenez-vous pour battre vos adversaires, ceux de votre âge, tous d'excellents joueurs? À vrai dire, je ne me pose jamais la question. Je pense qu'il est difficile de trouver un trou dans mon jeu ou une faiblesse. Je compte améliorer mon service ou ma volée, mais je suis à l'aise au fond du court. En fait, ça pourrait se résumer à bien jouer les points importants. Je leur laisse le soin de prendre des risques sur ces points-là. S'ils ne les gagnent pas, alors ils perdent le match. Tant de mois de préparation, de tournois, de matchs universitaires, d'entraînement,
et le grand moment est finalement arrivé. Qui de John Sadri, finaliste inattendu de Caroline du Nord, ou de John McEnroe, le favori de Stanford, portera la couronne. Champion universitaire pour l'année 1978. Au service, John Sadri. L'ace. Le coup le plus dramatique, le plus destructif du tennis. 24 fois au cours du match, Sadri va ainsi foudroyer McEnroe. 24 points, ça représente un set. 24 points perdus, sans même toucher la balle. Quel handicap à remonter. McEnroe ne réussira pas à gagner la bataille contre le formidable service de John Sadri. Mais ça et là, il va voler un point clé. Dans les tie-breaks qui vont émailler le match, il va réussir à s'emparer d'un point de service de Sadri. Un tout petit point, ça et là. Et à l'université, c'est encore plus meurtrier que chez les pros. On y utilise le tie-break à 9 points. Le premier arrivé à 5 l'emporte. Si l'on atteint 4 parties, on joue la balle de 7 en 1 point. Parfois même la balle de match. Le suspense est garanti. Ah, qu'ils étaient loin, les souvenirs de Wimbledon, dans l'enfer de Géorgie. Ça avait été une merveilleuse aventure sur une autre planète. Ici, pourtant, c'est beaucoup plus important. Il fallait triompher de ses pairs. Il fallait d'abord être roi chez soi. Gagner ce tournoi, c'était quitter l'université la tête haute, laisser son nom gravé pour la postérité dans le grand livre des palmarès. Il est si près du but. Mais va-t-il tenir jusqu'au bout? Sadri, qui a gagné le troisième set, fait un retour en force. Et McEnroe est à terre, saisi de crampes lombaires dues autant à la tension qu'à la fatigue d'un tournoi épuisant. Entre les simples et les doubles, il en est à son 17e match en 8 jours. A-t-il trop puisé dans ses ressources? La chaleur est torride, 35 degrés à l'ombre. L'humidité étouffante. C'est le test. Sadri, l'inconnu, joue comme un champion. Le champion qu'il veut devenir. Pour McEnroe, il ne s'agit plus seulement de recourir à toutes les ficelles de son talent, il faut tout simplement survivre. À la moindre défaillance, au moindre accroc, l'acier peut maintenant craquer d'un coup sec. Il faut tenir. Tenir jusqu'au dernier point, dans un troisième tie-break au quatrième set. Il joue maintenant depuis 4h15. Balle de match. Great return by McEnroe. McEnroe hits a tremendous backhand passing shot. Sadri can't handle the speed, dumps the backhand in the net, and it's over. Fantastic drama. McEnroe is absolutely ecstatic. Jumping off the ground, flings his racket into the net, rushes to the net, falls into Dick Gould's arms. What a tremendous effort. Le score final, 7-6, 7-6, 5-7, 7-6. The new NCAA champion, John McEnroe of Stanford. John, thank you, four boys. Thank you, players, for an exceedingly well-played match. The winner of the greatest amateur tennis tournament in the world, as he was last summer, the youngest player ever to reach the semifinals at Wimbledon, he is the NCAA's youngest singles champion. Dan McGill, en présentant le nouveau champion, souligne que, de même qu'il fut l'année précédente le plus jeune demi-finaliste de l'histoire de Wimbledon, il est maintenant à 19 ans le plus jeune champion universitaire américain. Une belle cérémonie d'adieu à l'université pour John McEnroe, roi d'un jour, qui demain va abdiquer sa couronne d'adolescent pour aller vivre sa vie avec les adultes. Et là, il devra repartir à zéro. Une transition périlleuse, une sorte de no man's land, où la liste est longue de ceux qui se sont éteints après avoir brillé au firmament universitaire.
L'adolescence est un labyrinthe dont il faut savoir sortir. La médaille d'or du tennis universitaire sera remise à John McEnroe par Dean Rusk, ancien secrétaire d'État de John Kennedy, retiré depuis longtemps de la politique pour enseigner à l'Université de Géorgie. Vous aviez déclaré avant le tournoi que vous passeriez professionnel tout de suite après, vainqueur ou vaincu. Dans vos rêves les plus fous, aviez-vous imaginé ce qui vous est arrivé depuis? J'avais bon espoir. 4 mois plus tard, et déjà McEnroe remporte son premier grand tournoi professionnel, le Transamerica à San Francisco. Il battit Panatta, Eddie Dibbs, alors numéro 5 mondial, et Dick Stockton pour le titre. Allen Fox et Bud Collins échangèrent à cette occasion leurs opinions expertes. Allen, quel est à votre avis l'atout majeur de John McEnroe? Une rare combinaison de talent physique et mental. Il peut résister, ce qui est rare pour son âge, aux pressions les plus impitoyables. Au premier tour du tournoi, il a dû survivre à 2 balles de match. Séparé de son contexte de défaite immédiate, une balle de match, c'est un point comme un autre. Sauf qu'à ce moment, 99% des joueurs paniquent et s'effondre mentalement avant de perdre le point physiquement. Lui est capable de garder son sang-froid, comme s'il était indifférent au danger et à l'idée de destruction imminente. On pourrait appeler ça le zen ou l'art du tennis selon McEnroe. Un samouraï du tennis en quelque sorte. Parlez-nous de sa technique. John McEnroe est à mon avis le joueur le plus doué de l'histoire du tennis. Il possède un répertoire de coups absolument complet. Plus leur variante. Son service est vicieux, son jeu de jambes combine vitesse et équilibre. McEnroe est-il un athlète au sens classique du terme? C'est un super athlète qui en fait trompe son monde avec ses allures de chérubin joufflu et ses humeurs capricieuses. En plus d'une mobilité parfaite, il a un toucher de balle d'une rare finesse, un poignet à la fois dur et flexible. Il peut amortir les coups les plus rapides d'une simple pichenette, comme s'il avait des amortisseurs dans les bras. Et pour couronner le tout, son arme de choc, le service, qu'il peut déguiser à volonté. Il choisit la trajectoire de la balle au dernier moment d'un violent coup de poignet. En 3 enjambées, il est au filet et apparemment, sans le moindre effort, il amortit la balle à contre-pied du renvoyeur. Il y a tout juste un moment, encore collégien, et maintenant le voici vainqueur d'un des plus importants tournois du circuit des Grands Prix. C'est un homme en route vers des millions de dollars, dit-on. Sans même prendre le temps de se changer ni de se doucher, McEnroe se retrouve sur le court pour la finale du double en compagnie de son nouveau partenaire Peter Fleming. Ils affrontent Stan Smith et Bob Lutz, qui semblent être de toutes les finales de double. Ce sera la relève de la garde. Après ce match, les anciens ne seront plus jamais numéro 1.
Ce sera une soirée mémorable pour John McEnroe. D'un seul coup, d'un beau doublé, il établit une réputation de joueur complet. Dans une époque où la spécialisation a même gagné le tennis, il sera champion à la fois en simple et en double. Il est 1h15 du matin, tandis qu'une horde de gamins se bousculent pour obtenir l'autographe de leur nouveau héros. Ils ont veillé si tard pour un événement spécial. On ne trompe pas les enfants. Ils viennent d'assister à l'avènement d'une star. Une année a passé. John McEnroe est maintenant vedette à part entière. Nous le retrouvons en janvier 1980 au Madison Square Garden de New York. C'est le tournoi majeur le plus sélectif du monde. 8 joueurs seulement ont été invités à y participer. Les 8 premiers au classement de fin d'année du circuit des Grands Prix. 2 séries éliminatoires ont désigné les demi-finalistes. C'est la crème du tennis de l'année 1979. Connors. McEnroe, Borg et Gerulaitis. 4 survivants sur une centaine de joueurs qui, tout au long d'une série de plus de 90 tournois, ont parcouru les 4 coins du globe pendant 12 mois. Le tennis est peut-être le sport le plus complexe en ce qui concerne l'organisation des épreuves. Chaque semaine, de par le monde, plusieurs tournois offrent de petites fortunes à ces globetrotters en culotte courte. Pour avoir terminé premier au classement d'ensemble des Grands Prix, John McEnroe a déjà empoché une prime de 300 000 dollars. Le vainqueur du Masters, qui dure en tout 5 jours, recevra un prix de 100 000 dollars. Alors messieurs, à vos raquettes. Dans la première demi-finale, Vitas Gerulaitis affronte Jimmy Connors. Lors de leur premier match, on ne se rappelle plus très bien quand, Gerulaitis fut le vainqueur. Depuis, Connors a remporté contre lui 16 matchs consécutifs. Ce soir pourtant, Vitas, le New-Yorkais, trouvera l'état de grâce devant son public et brisera cette longue série noire. Puis l'on passera au match que tout le monde attendait. Par le caprice du résultat de la phase éliminatoire, les 2 premières têtes de série s'affrontent en demi-finale. Dans leur duel personnel pour l'année 1979, ils sont à égalité de victoires, 3 chacun. Comme désormais à chacune de leurs rencontres, l'enjeu du match dépasse l'enjeu du tournoi. 2 artistes sur le court. McEnroe est le maître des touches finement esquissées. Sa panoplie offre un jeu délicat, mais des émotions fortes. C'est un impressionniste. Borg est un sculpteur armé d'un marteau. Il taille dans le granit avec une force et une patience inépuisables. Je pense qu'il est important pour le tennis d'avoir des personnalités qui s'opposent. Par exemple, si tout le monde était comme Bjorn, le tennis serait peut-être bien monotone. Et si tout le monde était comme moi, sans doute bien des gens fuiraient-ils le tennis. Mais il est important d'avoir ce mélange. Quand je joue Bjorn, ce qui est intéressant pour les spectateurs, c'est que nos styles de jeu soient si différents, ainsi que la manière dont nous réagissons à ce qui se passe sur le court. C'est le contraste qui fait les grands matchs. Et c'est surtout important pour continuer d'attirer des spectateurs au tennis. C'est dans ce tournoi l'an dernier que McEnroe commença à se faire une réputation de champion. Dans une finale à suspense, il battit Arthur Ashe après avoir sauvé 2 balles de match. Et le voilà maintenant en passe de gagner le premier set devant Borg. Le Suédois est aux abois et ne peut qu'esquisser une défense désespérée. Ah ! Comment peut-on rater un coup pareil ? Comment a-t-il pu rater un point aussi facile et aussi important ? Par quel sortilège Borg a-t-il fait trembler la main de McEnroe, d'ordinaire aussi sûr dans les situations critiques ? Un Borg vainqueur 4 fois consécutives à Wimbledon, c'est là qu'il faut gagner pour rentrer dans la légende. Borg est le seul joueur qui en impose à McEnroe.
tous les autres, il sait comment les battre, comment démanteler leur stratégie, comment exploiter leurs faiblesses. Mais Bork, c'est différent. Il n'est pas comme les autres. Il cache tout au fond de son regard caverneux un mystérieux secret qui fait trembler tous ses adversaires et lui vaut le respect de McEnroe. Cette balle de 7 était dans la poche. Le 7 était terminé, emballé. Bork n'avait pas 2 chances sur 100 de s'en sortir. Et pourtant, le 7 continue. McEnroe devra faire montre de tout son talent, de son tennis des grands jours, pour se retrouver 3 jeux plus tard avec une autre batte de 7. Dans un tie-ball, justement. Il gagne enfin ce premier set. Mais un tel surcroît d'efforts pour rattraper un point si important, perdu si bêtement, ça secoue son homme. Le talent de John McEnroe peut aussi se résumer d'une autre façon, que les experts comptables et les agents du fisc apprécieront plus particulièrement. En 1978, pour ses 6 premiers mois de professionnalisme, il a gagné, au cours d'une 12aine de tournois, 445 000 dollars. En 1979, il a dépassé le million de dollars en prix. Bork aussi, d'ailleurs. À la fin de 1979, le total de ses gains pour 18 mois de professionnalisme s'élevait à 1,5 million de dollars, toujours dans les contrats publicitaires et les exhibitions. C'est à quelques sous près ce que gagna en 18 ans de carrière une des figures de légende du tennis, Ken Rosewall. Inflation galopante, direz-vous. Sans doute. Mais c'est aussi un McEnroe au triple galop. À la question de Bud Collins, bien des gens seront tentés de dire que c'est trop, trop vite pour John McEnroe. La réponse est définitivement celle d'un jeune homme pressé. Qui sait combien de temps ça va durer ? Avant 10 ans, on m'aura déjà peut-être oublié. Bork gagne le second set. Et tout est à recommencer. Quelle année étonnante 1979 fut pour John McEnroe. D'accord, Bork numéro 1 en simple selon l'ordinateur. Mais si l'on considère la totalité de leurs matchs joués durant ces 12 mois, alors McEnroe fut le joueur de l'année. Il disputa 2 fois plus de matchs que n'importe qui d'autre. Plus de 200 matchs dont il gagna les 3/4 environ en additionnant les simples et les doubles. Il devint l'athlète complet du tennis en 1979. Le record qu'il établit est tout simplement phénoménal. Il gagna un total de 27 tournois, 10 en simple, 17 en double, en compagnie de Peter Fleming essentiellement. Le record précédent depuis l'avènement du tennis open, l'ère des gros sous qui commença en 1968, appartenait au Roumain Elina Staz qui gagna 25 tournois en 1973. On pensait le record imbattable. McEnroe fit mieux, 27 tournois. Reverra-t-on jamais une saison pareille? Je ne rejouerai plus autant de tournois dans une même année. Mais oublions les dollars et les records, car pour l'heure, au Madison Square Garden, le match approche de son dénouement. Après la perte du premier set, Bork a durci son jeu. Dans le 3e et dernier set, tous les deux vont gagner leur service à tour de rôle dans une escalade de tension et de coups plein de défis. Jusqu'à 5 jeux à 6 en faveur de McEnroe, 30 partout sur le service de Bork. 2 petits points pour McEnroe et il gagne le match. Si près et pourtant si loin du but. C'est un combat au finish qui, pour eux, deviendra désormais une tradition. Ah, ces 2 petits points. Le smash raté du premier set les valait sans doute bien tous les deux à lui seul. Mais, foin des regrets, nous voici dans un dernier tie-break. Celui qui va décider de toute la saison. S, sur un second service. On serait tenté d'esquisser un sourire. Bork, le pauvre, doit être bien découragé. En fait, il est furieux. C'est l'effet que produit John McEnroe sur son orgueil. Plus le ton du défi monte, plus la riposte est violente. Un champion, ça ne s'abat pas comme ça.
Cette victoire, Borg va la savourer pour bien des raisons. C'est le premier tournoi qu'il gagne à New York depuis 8 ans qu'il était à la tâche. Tandis qu'il quitte l'arène, John McEnroe peut quand même se consoler. Il vient d'établir un nouveau record que Wall Street, situé à quelques enjambées d'ici, pourrait bien lui envier. Pour sa performance dans ce tournoi de 5 jours, il va recevoir un chèque bon pour la somme étonnante de $380,000. 300 000 pour avoir obtenu le classement de tête de série numéro 1, 40 000 pour sa qualification à la demi-finale, 40 000 pour sa victoire en double associée à Peter Fleming. Quant à Borg, il est champion pour une nouvelle année. Mais il sait maintenant qu'à chaque pas qu'il fera, l'ombre de McEnroe sera sur lui. Jimmy Connors, qui fut le joueur américain des années 70, va désormais trouver lui aussi, où qu'il se trouve, John McEnroe en travers de son chemin. Numéro 1, incontesté aux États-Unis de 1973 à 1979, il a gagné l'US Open 3 fois. Mais en 1979, sur ce court, à Flushing Meadow, McEnroe l'éliminera en demi-finale et lui ravit son titre. Plus vous frappez fort, plus il renvoie fort. Il ne faut donc pas jouer à son rythme. Il faut lui donner des balles molles. C'est ce que je compte faire. Uniquement des coups brossés qui rebondissent peu et suivre au filet pour lui bloquer les angles de jeu. Demi-finale de l'US Open 1979 est un des grands moments du tennis américain. Il se retrouve à nouveau lors de la demi-finale en 1980. Connors, en grand retour de forme, mène par 2-7-1, tandis que le crépuscule s'abat sur Flushing Meadow et que McEnroe perd le contrôle de lui-même et du match. Pourrais-je savoir quand vous allez commencer à juger les points correctement? Monsieur McEnroe, jouez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur je ne sais pas qui, monsieur l'incompétent? Est-ce qu'il vous arrive de préméditer ce genre de réaction? Non, c'est spontané. Et le plus souvent, je me retiens. C'est mon esprit compétitif. Souvent, il m'arrive de le regretter parce que ce n'est probablement pas nécessaire. Mais les gens ne se rendent pas compte que la pression monte pendant un match et que de temps à autre, on peut exploser. Vous ne pensez pas que ce soit à votre désavantage de vous plaindre comme ça pendant les matchs, que ça vous fait perdre des points et surtout votre concentration? Je ne sais pas vraiment, ça dépend à quel degré. Parfois ça m'aide, ça me sert de stimulant. J'essaie de me contrôler autant que je peux et quand j'éclate, j'espère en tirer avantage d'une façon ou d'une autre. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. En fait, quand je discute une décision de l'arbitre, je pense que j'ai raison. Je ne fais pas ça par vice. J'ai l'œil sur la balle en permanence et ma vue est excellente. Je les vois bien, ces lignes. C'est dur à faire comprendre et les gens ne comprennent pas. Quand vous pensez que vous avez gagné un point et qu'on vous le reprend comme ça, c'est plutôt dur. Parce que ça fait si mal de perdre, les champions trouvent toujours un moyen de gagner. John McEnroe trouve toujours un moyen de gagner. Les batailles de la vie ne sont pas toujours gagnées par l'homme le plus fort ou le plus rapide. Mais tôt ou tard, l'homme qui gagne est celui qui croit en sa victoire. John McEnroe a une confiance illimitée dans son étoile. Les bons garçons ne font pas les vainqueurs en tennis. Il faut tuer ou mourir. La gloire et les millions de dollars sont à ce prix.
Personne n'enterre les vaincus. Simplement, on les oublie. Et c'est cela la grande peur. Pour John McEnroe, la belle doctrine du baron de Coubertin est dépassée en 1981. L'essentiel, ce n'est plus de participer. Est-il un reflet de notre époque? Est-il la violence personnifiée sur un court de tennis? Oui, McEnroe nous dérange. C'est un génie, mais qui inquiète. Avec ses crises de rage, il exorcise publiquement tous nos démons. Dans la vie comme au tennis, aujourd'hui, on est un gagnant ou bien on est un perdant. C'est le système de valeurs que nous nous sommes bâtis et John McEnroe en est le parfait prototype. C'est un gagneur. Est-ce que vous vous imaginez en termes de gagnant? Est-ce que vous avez conscience de votre image? De mon image de marque? Je viens de faire récemment une publicité pour une fabrique de vêtements. Leur slogan, c'est « gagnant ». Est-ce que vous méprisez les perdants? Est-ce que vous avez peur de le devenir un jour? J'imagine que c'est ce qui fait tourner le monde, qu'il y ait des gagnants et des perdants. Oui, gagner, c'est mon unique motivation. Il y a des gens qui ne peuvent même pas comprendre ce que ça veut dire d'être le numéro un. Il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent même pas s'imaginer d'être un jour numéro un. Moi, je ne peux pas comprendre ceux qui n'essaient pas. Il faut se battre jusqu'à la limite de ses forces. Commencez au cœur de l'après-midi, le match contre Connors va s'achever en nocturne. McEnroe semble avoir gâché ses chances. Connors se déchaîne. Il mène 3-1 dans le quatrième set, après avoir gagné le troisième 6-0. Il ne s'en faut plus de grand-chose. Mais dans un sursaut de volonté, McEnroe rétablit les choses et on joue un cinquième set. À 5-3, McEnroe a une chance de l'emporter. Mais Connors fait un retour spectaculaire et pour la première fois dans l'histoire du tournoi, un tie-break décidera de l'issue d'une demi-finale. Rarement un match de tennis aura connu une telle intensité en Amérique. Pour un soir, on se serait cru au football et non pas au tennis. En applaudissant sa victoire ce soir-là, on rendit à McEnroe ce qui appartenait à McEnroe, la passion. Dans moins de 20 heures, la finale allait commencer. Bjorn Borg est revenu à New York pour la 9e année en quête du titre américain. Il a échoué 8 fois. Il perdit la finale de 1976 contre Connors quand le tournoi se jouait sur terre battue à Forest Hills. Mais encore plus amères peut-être furent ses défaites de 1978 et 1979. Ces deux années-là, comme aujourd'hui, il était en route pour le Grand Chelem. Cet exploit rarissime en tennis qui consiste à gagner les internationaux de France, Wimbledon, l'US Open et le championnat d'Australie dans une même année. Exploit accompli seulement par deux joueurs, l'Américain Don Budge en 1938 et l'Australien Rod Laver en 1962 et en 1969. 1978, Connors ce jour-là joua le meilleur match de sa carrière et ses espoirs de grand chelem s'envolèrent en fumée. En 1979, en quart de finale, il rencontra Roscoe Tanner dans une revanche de leur finale de Wimbledon. Tanner ce soir-là joua le meilleur match de sa carrière. Tel un possédé, il asséna à Borg une brutale défaite en 4-7. La violence de ses coups fut telle qu'il réussit même, lors d'un service, à abattre le filet. Mais les séries noires, même les plus longues, sont supposées avoir une fin. 1980 doit être l'année Borg. Le mois dernier à Wimbledon, n'a-t-il pas fait montre de sa supériorité en battant McEnroe dans une finale mémorable? Certes, ici, le New Yorkais défend son titre, mais rares sont ceux qui donnent dessous de ses chances. À Melbourne, en Australie, on prie pour la victoire de Borg. On a déjà commencé les préparatifs pour redorer un tournoi tombé en désuétude depuis le déclin des Australiens. Pensez donc, on va y célébrer le sacre du roi Borg. Mais d'abord, il lui faut battre McEnroe ici, chez lui. Le grand chelem de Borg, c'était bien le dernier des soucis de McEnroe. D'habitude, lent à démarrer dans ses matchs importants, Borg attaque d'emblée et sert deux fois pour le premier set, à 5-4 et 6-5. McEnroe efface ses deux balles de set et l'emporte dans un premier tie-break. Borg accuse le coup. Il joue le second set comme un somnambule.
et voilà McEnroe qui mène par 2-7 à 0. Mais McEnroe connaît son Borg. Il sait que sous cet océan de calme gronde la tempête. Et elle arrive. Dans le troisième set, Borg est intraitable. Dans le quatrième, il ne commet pratiquement aucune erreur. N'avait-il pas en quart de finale rattrapé un déficit de 2-7 à 1 contre Tanner et en demi-finale remonté un handicap de 2-7 à 0 contre le Sud-Africain Johan Kriek? Depuis l'avènement du tennis à la télévision, les matchs en 5-7 étaient uniquement joués dans les tournois du Grand Chelem, ce qui contribuait à leur prestige et à la mystique de Borg. Un cinquième set contre Borg était devenu territoire interdit. Il n'en avait pas perdu un depuis 5 ans. Certes, McEnroe pouvait le pousser dans ses derniers retranchements comme à Wimbledon. Il avait assez de talent pour cela. Mais le moment final appartenait toujours à Borg. Un spectacle fascinant. Borg avait amené sa victime là où il la voulait, dans le fatal cinquième set. On pensait McEnroe au bord de l'épuisement. Il bondit de plus belle et enleva le service de Borg à 3 jeux partout. Non, le rituel n'aurait pas lieu sur son territoire, la jungle d'asphalte de New York. Sur ses cours durs et rapides, tout à son image, c'était lui le sorcier. C'est là qu'il avait été ennobli l'an dernier, grand du tennis, en battant Girulaitis dans la finale. Un souvenir précieux. Son talisman à lui. Source de lumière et de volonté retrempée. Il y arma son bras pour le dernier assaut et la muraille de l'invincible Borg s'effondre. Quelle image souhaitez-vous laisser de vous quand vous vous retirerez de la compétition? Celle d'un joueur de tennis qui recherche la perfection et ne la trouva pas. Je ne voudrais surtout pas finir comme Nastas. Personne ne va se souvenir de lui comme d'un grand joueur. On se rappellera surtout de ses mauvais côtés. Craignez-vous qu'on ne se souvienne aussi des vôtres? C'est toujours une possibilité. Je pense qu'on se souviendra de Connors le champion, pas de l'autre Connors. Mais pas Nasty, parce qu'il est allé trop loin. Je ne veux pas lui ressembler. Je ne pense pas que je me conduise comme lui sur un court. J'espère que le public finira par me comprendre, comme il l'a fait pour Connors, qui avait si mauvaise réputation quand il était jeune. Maintenant, c'est le contraire, il est devenu populaire. J'espère que pour moi, ce sera la même chose. John, quelqu'un un jour vous demanda, que voudriez-vous vraiment être? Tout à fait exact. Et vous auriez répondu, une vedette de rock. Est-ce exact? Sait-on jamais? Je vous le souhaite de tout cœur. Ça me poserait des problèmes, j'imagine. Dans un sens, ne pensez-vous pas que vous êtes un peu comme une vedette de rock? Vous avez un peu cette image, vous parcourez le monde comme une célébrité, on vient assister au spectacle McEnroe. Dans un sens, peut-être. J'imagine que je ne correspond plus à l'image du joueur de tennis classique d'il y a 10 ans, qui se contentait de jouer au tennis. Je crois qu'on peut dire, en effet, que je suis devenu une personnalité. John McEnroe était devenu un article à succès pour couverture de magazine, un symbole, un playboy, un mythe dont les aventures étaient suivies avec curiosité. Il avait ses détracteurs, il soulevait des polémiques, mais on s'accordait plutôt à le trouver attirant. On voulait en savoir davantage sur ce champion tyrannique. On ne pouvait nier sa réussite spectaculaire. Il était devenu un champion universel, un milliardaire, une célébrité. Tout cela est peut-être même plus. Mais au-delà des flonflons et de la kermesse, il y avait un aspect de la personnalité de John McEnroe qui avait, sans qu'on sache trop bien pourquoi, échappé à l'attention générale. C'est son importance à ses yeux qui nous fit nous y pencher plus avant, la Coupe Davis. C'est peut-être l'épisode de son éducation de champion qui nous révélera le mieux sa véritable personnalité. Reportons-nous une dernière fois au mois de décembre 1978, à Rancho Mirage, aux environs de Palm Springs, dans le désert californien, où les États-Unis et la Grande-Bretagne s'affrontent pour la finale de la Coupe Davis. Depuis 1972, les Américains y ont connu les défaites les plus humiliantes. C'est leur plus longue période sans victoire depuis qu'ils créèrent le fameux trophée au début du siècle.
John McEnroe, qui joua un tout petit rôle dans les quarts de finale contre le Chili, remportant le double avec Gottfried, se trouve soudain catapulté au premier rang. Il représentera les États-Unis en simple, a décidé le capitaine Tony Trabert. C'est la première fois qu'une telle responsabilité échoit à un teenager depuis 1939. Son prédécesseur alors s'appelait Jack Kramer. Vous rappelez-vous vos impressions ce jour-là en pénétrant sur le court ? Oui, je jouais dans le premier match. Pour mon premier match de simple en Coupe Davis, j'étais plutôt nerveux. Parce que tout le monde n'était pas d'accord sur ma sélection. Il me fallait prouver que j'étais à la hauteur. Le premier adversaire de McEnroe sera John Lloyd, le beau garçon du tennis anglais dont on vient d'annoncer le mariage prochain avec la princesse du tennis américain Chris Evert. Dès le début du match, McEnroe rassure son monde. Il sera bien à la hauteur des événements. Deux aces pour commencer, puis trois jeux blancs dans la foulée. Il faudra attendre le quatrième jeu pour que John Lloyd gagne enfin un échange. Profitons donc du moment pour rencontrer les quatre personnes qui ont façonné l'éducation de John McEnroe. D'abord sa mère et son père, Kay et John McEnroe Senior. Je voudrais d'abord demander à Kay, et à vous aussi John, vos impressions en assistant au début si prometteur de votre premier né en Coupe Davis. Après tout, c'est encore un gamin, et le voilà qui représente les États-Unis. Très émouvant, je crois que j'ai pleuré. De vraies larmes ? Oh, absolument. C'est un moment merveilleux pour nous. Johnny dans l'équipe de Coupe Davis. C'était mon ambition secrète. Et jouant la finale. C'est vraiment merveilleux. Je suis tout à fait d'accord avec Kay. C'est un moment très émouvant. Wimbledon l'an dernier fut extraordinaire, si vous vous rappelez. C'est là que j'ai fait votre connaissance pour la demi-finale contre Connors. Quand je le vis pour la première fois sur le court central, c'était aussi un moment historique, le centenaire de Wimbledon. Mais il y a quelque chose de très spécial ici, du moins pour nous. La Coupe Davis représentait les États-Unis. C'est une occasion très spéciale. Nous avons amené ses deux frères avec nous. Toute la famille est là. C'est un jour très important qui marquera une date pour nous. Outre un support familial à toute épreuve, John McEnroe va bénéficier de l'aide d'un père avocat d'affaires pour gérer des finances qui s'annoncent prometteuses. John McEnroe Senior est membre d'un des cabinets d'avocats les plus influents de New York. Une véritable armée, pourrait-on dire, car le cabinet est fort de 150 hommes de loi. John McEnroe Senior est également membre du comité de Coupe Davis américain. On peut donc parler d'affaires de famille. Une famille à qui se joint Stacy Margolin, côté court et côté cœur. That's what Cicely Tyson had on. She had 4,000 of them. We're not in grammar school. See, I already 4, got 000. Every single. It took 24 hours to do her hairdo. She's on a Today Show. Nous retrouvons aussi Alan Fox, qui la veille s'était entretenu avec le père de John d'une question qui animait fort les coulisses du tennis. Vous avez décidé de vous occuper de ses affaires ? Oui. Je ne m'imaginais pas que tant de monde s'intéressait à John.
Sa valeur commerciale est étonnante à ce stade de sa carrière. Enfin, ensemble, nous faisons face au problème. Je suis en contact permanent avec les autres agents qui essaient de me persuader que c'est une erreur de vouloir gérer les intérêts de mon propre fils. En fait, le plus difficile, pour vraiment parler de l'essentiel, était d'arriver à nous situer à un juste niveau sur le marché, de trouver notre juste prix, car le marché publicitaire est assez étonnant. Des propositions alléchantes ? Plutôt. Et des chiffres que nous n'avions absolument pas anticipés. Harry et Tony, à quel âge avez-vous commencé à vous occuper de John ? Il avait 12 ans, si je me souviens bien. C'était à Long Island, à l'académie de tennis de Port Washington. Tony et moi, nous sommes mis d'accord tout de suite. Le gamin promettait. Il avait déjà cette belle aisance du toucher, ce qui est un don naturel, vous savez, ça ne s'acquiert pas. John was a boy who knew what he wanted. I've always admired John for being able to talk, speak up for himself. As a matter of fact, I have a different outlook on John than the press has. I think John is the sort of boy who's... Mais surtout, John était déjà un garçon qui savait ce qu'il voulait. Je l'ai toujours admiré pour ça, pour n'avoir jamais peur de s'exprimer et de se défendre. J'ai, à ce sujet, une opinion tout à fait différente de la presse qui est toujours après John. Je pense que John est un jeune garçon qui sait déjà évoluer et se battre dans un monde d'adultes. Et il est capable d'y affirmer sa personnalité. Ça me plaît, ça. Je pense que c'est essentiel pour un joueur de tennis. Le gamin docile ne fera jamais un champion. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir honte de lui en assistant à certains de ses matchs ? Honte ? Non. Est-ce que sa conduite vous a jamais agacé ? Oh oui, honte, non, mais... Il y a des jours où nous ne sommes pas du tout contents de ce qui se passe sur le court. Est-ce que les commentaires négatifs de la presse vous dérangent ? Ça vous plairait si quelqu'un écrivait ça à propos de votre fils ? On le compare souvent à Jimmy Connors. Ils sont tous les deux gauchers, jeunes, ils ont l'esprit batailleur. Ils sont tous les deux passionnants à regarder jouer. Et ce sont deux battants extraordinaires sur le court. Ce sont des qualités que l'on trouve surtout chez des athlètes d'origine sociale modeste, ce qui est le cas de Connors. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous entendez par esprit batailleur. J'ai eu suffisamment l'occasion d'étudier John pour vous dire que vous êtes à côté du sujet. Il faut que vous compreniez une chose pour commencer. C'est que les gamins élevés à New York sont différents en tout point des autres gamins du reste de l'Amérique. Ils apprennent très tôt à se battre pour leurs intérêts. C'est une partie instinctive de l'éducation à New York. Vous pouvez d'ailleurs y ajouter le New Jersey. C'est quelque chose qui m'a frappé depuis que je vis en Amérique. Tous les gamins qu'on m'envoie de New York ou de New Jersey ont la même attitude. Une sorte d'instinct de survie pour se protéger dans la grande ville ? Peut-être. Je n'ai jamais vécu à New York et je ne pense pas que John ait jamais eu à se soucier de sa survie. Justement, c'est là que je voulais en venir. Jimmy est un battant qui vient d'un quartier pauvre d'une ville dure. Mais ce n'est pas le cas de John. Vous êtes des gens aisés et pourtant, il a développé cette personnalité combative. D'où pensez-vous que ça lui vienne ? Il a toujours été comme ça, depuis qu'il était tout petit. Il voulait toujours être le premier. Didn't matter what it was, if he was on the basketball team, he wanted to be the coach. Talk about Johnny going straight to the top, Harry. Harry, vous avez formé plus de champions qu'aucun autre entraîneur. Comment voyez-vous l'avenir pour John McEnroe? Pensez-vous qu'il sera le numéro un jour? Oui. Je repense à Lever. En comparant ce que Rod faisait au même âge, le potentiel qu'il avait, son arsenal de coups, je peux faire un pronostic assez sûr. Je me laisse rarement aller à ce genre de prédiction, mais si j'en avance une, je tiens à être sûr de moi. Buster Mottram semble avoir grandi trop vite et son style est plutôt emprunté, mais il est le numéro un britannique. Le premier jour, à la surprise générale, il a battu Gottfried. Il porte maintenant tous les espoirs anglais. Mais il va être dépassé par les événements. La Coupe Davis retourne à son point d'origine. Elle est à nouveau la propriété des États-Unis. John, pouvez-vous nous dire ce que cette victoire signifie pour vous, d'avoir remporté le match décisif pour les États-Unis ? Gagner lorsqu'on représente son pays est doublement agréable.
Depuis que je joue au tennis, je voulais jouer la Coupe Davis, faire mes débuts en simple dans une finale. Ça n'arrive pas tous les jours. Dans les années suivantes, John McEnroe parcourra le monde pour défendre son nouveau trophée. Retrouvons-le en mars 1980. Nous sommes à Buenos Aires, en Argentine. La venue des États-Unis au tennis club de Buenos Aires étant un événement national, on fait donner la fanfare. Comme on est loin de ce premier match de Coupe Davis disputé à Boston en 1900 entre gentlemen au sang bleu d'Amérique et d'Angleterre. La Coupe Davis était alors une affaire très aristocratique. Aujourd'hui, c'est à la Coupe Davis mode argentine que nous sommes conviés. Les États-Unis ont triomphé dans les deux années précédentes. Mais l'Amérique latine représente toujours une aventure incertaine pour les gringos. Comme en témoigne la liste des batailles perdues au champ d'honneur. En 1966 au Brésil. En 1967 en Équateur. L'Équateur. Le Waterloo du tennis américain. En 1974 en Colombie. En 1975 et 76 au Mexique. En 1977 en Argentine. La Coupe Davis en Amérique latine est une épreuve semée de traquenards. Elle y déchaîne les passions nationales. En 3 ans de Coupe Davis, McEnroe n'a jamais connu de défaite. 14 victoires en simple et en double. Son premier adversaire est José Luis Clair. Le match durera 6 heures. Le quatrième et dernier set à lui seul durera 3 heures et 9 minutes pour un score de 11 jeux à 9. Comment un set de tennis peut-il durer si longtemps? C'est le secret étonnant de la terre battue rouge d'Amérique du Sud et d'Europe. Le rebond de la balle s'y effectue selon des courbes lentes et paresseuses. Il faut y faire preuve de la plus grande patience. Et John McEnroe n'est pas un joueur patient. Il aime attaquer et prendre le filet d'assaut, alors que contre José Luis Clair ou Guillermo Vilas, il faut même ajouter la prudence à la patience. La terre battue est le territoire d'élection de ces deux seigneurs du jeu lifté. Contre eux, monter au filet sans une minutieuse préparation équivaut au suicide. Alors il faut rester au fond du court, croisant le fer avec patience, guettant l'opportunité. La concentration vacille, elle s'érode. La foule ajoute à la tension. On la sent prête à rugir à la moindre défaillance de l'étranger, prête à acclamer ses héros au moindre point gagné. Le tennis à Buenos Aires n'est pas une partie de plaisir pour les envahisseurs. John McEnroe n'avait jamais perdu un match de Coupe Davis. Il allait perdre ce jour-là. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. On pensait McEnroe invincible en Coupe Davis. Son nom en était devenu le synonyme. J'y avais vraiment cru. On me demandait tout le temps combien de temps la série allait durer. J'espérais bien qu'elle ne s'arrêterait jamais parce que jouer en Coupe Davis, c'est vraiment spécial. Mais je savais qu'en allant en Argentine, on n'allait pas avoir un match facile. La terre battue est leur surface préférée, c'est loin d'être la mienne. Et puis, la foule là-bas, c'est vraiment quelque chose. À l'issue de la deuxième journée, l'Argentine mène par 2-1. Il faut donc que McEnroe batte Vilas, ou bien c'est l'élimination. Et Vilas n'a jamais perdu un match de Coupe Davis sur ce court. McEnroe l'a battu facilement l'année précédente à Memphis, dans le Tennessee. Mais c'était la Coupe Davis à l'américaine, sur court rapide.
Au milieu d'une telle foule, 7000 personnes environ pour 10 supporters américains, on pourrait se sentir perdu à moins. On commence le match à 1 contre 1 et bientôt on se bat contre une armée. The crowd was about 7000 people and as you've said before everybody's for their team and probably against... Et les chants de la foule qui n'arrêtent pas. This is so much against you before you even go out on the court. I mean just people there's just not non-stop but a great deal of chanting going on. I was disappointed for a lot of things in Argentina, but I mean, I felt like I gave it what I had, and I just couldn't handle it. I guess this specific time, but maybe you know, a couple of years if I have to go there. I mean, I'm not looking forward to going there again. But if I ever. J'ai été déçu en Argentine pour bien des raisons, mais je me suis battu jusqu'au bout. C'était une situation étrange. Je n'ai jamais réussi à faire face avec tous mes moyens. C'était simple, mais il fallait y penser. Pour faire taire McEnroe, il suffisait de crier plus fort que lui. La foule argentine allait réussir là ce que personne n'avait pu faire auparavant. Après le match, Tony Trabert, le capitaine américain, eut ce commentaire. Ce fut un grand match. Ils se battirent pendant 5 heures dans une chaleur et une humidité intense. Il fallut une dose de courage peu ordinaire pour tenir si longtemps et jouer un tel tennis au fil de ces heures folles. Jusqu'à 4-5 dans le 5e set. Et là, McEnroe rendit les armes. I look at it. It was a big thing for tennis in Argentina. I mean, the people really, you know, they really gave me a hard time and stuff. But I think, you know, I didn't even get to shake Vilas's hand. You know? Quand j'y repense, ce fut certainement un événement pour le tennis argentin. Je n'avais jamais vu une foule dans un tel état d'excitation. Je n'ai même pas pu serrer la main de Vilas après le match. J'ai dû le poursuivre dans les vestiaires plus tard pour le féliciter. Ce fut un week-end que McEnroe n'oublierait pas. Plus de 15 heures sur le court en 3 jours. Perdant les simples, gagnant le double, sans cesse sur le métier, remettant son ouvrage. I was, you know, teed off by some of the things that happened, you know, but I would have complained more, let's put it that way, if I'd won the matches. I mean, I don't think it's right to complain when you lose because it sounds like sour grapes. So I'd rather win and then complain. La Coupe Davis est une chose très spéciale et j'ai l'intention d'en jouer les matchs tant qu'on me le demandera. Mais je peux vous dire que perdre des matchs pareils vous fait apprécier un peu plus ceux qu'on a gagnés. C'est toujours dans la défaite qu'on fait l'apprentissage de la maturité. Et quel meilleur théâtre pour un ultime test de caractère. Wimbledon, juillet 1980. John McEnroe est maintenant familier avec le cours central et la foule qui l'encercle. Tout avait commencé en 1977. Qui pourrait l'oublier? Il était encore tout gamin, fraîchement débarqué, le Benjamin de l'affaire, le plus jeune demi-finaliste de l'histoire du tournoi. C'est aussi là qu'il fit la connaissance de Jimmy Connors. En 1980, les qualifications n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Il était tête de série numéro 2. Les choses toutefois n'avaient pas toujours été que rose et miel à Wimbledon pour John McEnroe. En 1978, il perdit dans le premier tour face à un joueur issu des qualifications, Eric Van Dillen. En 1979, pour son année record de victoire en tournoi, Wimbledon fut une déception amère. Tim Gullickson l'élimina en 16e de finale. 1980, sur sa route, en demi-finale, se dresse une fois encore Jimmy Connors. McEnroe prend le contrôle du match dès le début. Mais ce sera une âpre dispute entre les deux durs du tennis américain. Ils ne cesseront de se narguer et de s'insulter d'un bout à l'autre du match. Pour la finale enfin, le court central va retrouver sa dignité. Tout en effet a commencé par Borg, il commande le respect. Avant de pénétrer sur le court, les joueurs doivent passer sous un frontispice qui porte en exergue deux vers d'un célèbre poème de Rudyard Kipling. Réflexion poétique et philosophique sur la vanité de la victoire et la vertu de la défaite.
La virtuosité du poète allait ce jour-là être égalée par la qualité du récital qui se donna. Assisté à toutes les finales de Wimbledon depuis 1877, ne trouverait quand même rien dans sa mémoire qui se compara à celle-ci. Les gardiens des légendes mystérieuses qui remontent au-delà même du début de ce siècle vous diront que rien en vérité ne saurait égaler le combat de Borg contre McEnroe. Une épopée d'où ils sortirent tous deux grandis. Si McEnroe avait su saisir sa chance dans ce second set où Borg à un moment sembla trébucher et prendre un avantage peut-être insurmontable. Quand le match prit fin, les six jonchaient le court et Borg était champion pour une cinquième année consécutive. Quant à John McEnroe, il jura bien à qui voulait l'entendre qu'on ne l'y reprendrait plus à faire les frais du spectacle. Il savait maintenant le prix qu'il lui faudrait payer pour être roi un jour. Jamais plus il ne serait cet enfant sur qui les faits s'étaient penchés, tel qu'en ce jour de décembre 1978, où pour sa reconquête de la Coupe Davis, il avait eu un baptême du feu digne d'un prince héritier. Davis Cup 1978 is all over. Se rappelait-il encore ce moment d'innocence? Comment oublier? Mon premier match de Coupe Davis, en fait, ça avait été presque trop facile. Tout marchait comme je le voulais. Je voulais une victoire rapide. Ma mère a les nerfs fragiles. Elle a horreur de ces matchs qui s'éternisent. C'était la première fois que je jouais pour mon pays. Je m'en souviendrai toujours. Je m'étais parfaitement comporté et pour une fois, personne ne pouvait rien me reprocher. J'étais comme dans un état de grâce. Regagner la Coupe Davis avec Stan et Bob, qu'il avait gagné il y avait si longtemps, mais qui depuis 6 ans n'avait plus réussi. J'étais fier de ma contribution. La semaine suivante, j'eus droit à ma première couverture de magazine. On commençait à dire de moi que j'étais un bon gars parce que j'avais regagné la Coupe Davis et que pour changer, je m'étais bien comporté. C'est ça qui comptait finalement. J'avais montré qu'après tout, je n'étais pas si mauvais garçon que ça.